Salut les aventureux, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous fais découvrir comment j'ai été accueilli d'une très très belle manière. Partir et arriver à l'autre bout du monde peut créer des doutes, mais là, j'ai vraiment été reçu d'une manière extraordinaire. C'est quoi que t'as préféré explorer jusqu'à présent? La Grand Prix. C'est où? C'est à l'ouest. À partir anglophone? Oui, mais c'est très froid quand même. Froid parce que c'est en altitude? Oui. Et c'est quoi qui est beau là-bas? Une jolie vue, et on voir là où habite le roi. Que vamos a comer? Paella. Freddy, à la cuisine. Oui, c'est les chefs, c'est les chefs. Vamos a hacer una paella típica española. Lo primero que hay que agregar es el ajo. Esperamos que se dure un poco el ajo y le agregamos la cebolla. Ok. Esperamos que la cebolla coja un color transparente. Y ahí seguimos con los otros ingredientes que más adelante les vamos a mostrar. Vale. La paella se puede hacer en cocina de gas, en cocina eléctrica o inducida, y se puede hacer con carbón o leña. El gusto que da la leña y el carbón es totalmente diferente. Es por eso que lo hacemos de esta manera acá. Y el cocinero tiene que estar con unas cervezas adentro, si no... Sí, el cocinero tiene que estar... Si no, no funciona. La cerveza, sin cerveza no puede funcionar. Aquí tenemos los frutos de mar, que se los vamos a agregar después, pero... Los frutos de mar, el chorizo español, que no puede faltar, y están las gambas acá. Que ese es el toque final. Enrico Fourneau. On est prêt. Está bien, ¿no? Oui, c'est nickel. Ok, entonces ahora, después de todo lo que le metimos, vamos a esperar, merci, vamos a esperar que el agua se evapore. Vamos a colocar lo que queda de gambas con la otra porción de caldo de pescado. Vale. Y con eso terminamos la paella. Vale. No. Les gambas. Moi, tu es gentil, hein. Tu veux un pastis? À peine arrivé, je me retrouve déjà embarqué dans une folle course dans la bananerie. Il pleut un peu. Bonjour à tous. Vous voyez ce monsieur hier? Il m'a laissé dans 4000 hectares de bananes tout seul. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Salut. Il faut tourner à gauche, là, au bout, là-bas, là. Tu tournes à gauche et on est arrivé. Ah là, mais moi, je me suis perdu. Vous voyez la carte? Oh, je t'ai laissé à 4 km. C'était pas très loin. Fallait prendre à gauche et pas à droite. Merci beaucoup pour cette expérience de joie et ce délicieux margarita frappé. Ah oui, margarita frozen, ça, c'est bon, ça. Ça donne le tonus. À bientôt. Salut. Paul! Paul! Qu'est-ce que tu dis, Damien? Ça, c'est le top, les gars, ça. Ça, c'est la vraie glacière, tu vois. Ah ouais? Allez, dis-moi pourquoi. Vas-y, ouvre. Ça ouf. Congèle. Regarde, tu vois la fumée, non? Tu vois la fumée? Ça congèle. En plus de ce super accueil, j'ai suivi une formation incroyable sur la culture de la banane. Bon, là, c'est génial, en train de se faire une formation d'assainissement sous la pluie. Petite saison des pluies au calme. Il est beau. Gracias. Merci beaucoup. Time, 1 minute. Bravo. Woo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez la vidéo. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine dans le JDE.